Salut tout le monde, c'est Firecrox et aujourd'hui on se retrouve pour mon nouveau playthrough. Qu'est-ce qu'il veut encore? Ta gueule, je m'en fous, on verra après. Voilà, c'est mon nouveau playthrough, Bulletstorm, comme je l'avais dit, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais oui, mais c'est mon compte live, c'est de la merde, c'est juste... Ouais, on m'a obligé de me connecter à mon compte live, à un compte live que j'ai dû créer. Enfin, il voulait que je joue en ligne, bon, s'il veut, hein, écoute. Hein. Mais ouais, c'est la campagne solo, alors je m'en fous un peu complètement. Alors, de toute façon, on verra ça après. Alors, tout d'abord, Bulletstorm, c'est édité par Epic Games. Vous allez voir dans l'intro, de toute façon. Et le développeur, c'est People Can Fly, que je connais pas du tout, mais bon, c'est grave. Et il est sorti en France le 24 février 2011. Alors, voilà, ça fait un petit moment déjà. Je le comparais un peu à un jeu que je connais, enfin, que Zone Peace m'a fait découvrir sur Wii, qui est un jeu qu'il a beaucoup aimé, en fait, qui est sorti en 2009, qui s'appelle Mad World. Pour ceux qui connaissent, on verra certainement ce que je dis, il ne sortait que sur Wii, de toute façon, exclusivité, c'était un beat them all. Et c'est à peu près le même genre de gameplay qu'on va avoir dans ce playthrough, en fait. On va dire, oh, je sais pas si c'est Bulletstorm copié, mais bon, voilà, ça s'en rapproche pas mal. Bon, allez, on y va tout de suite. Alors, bon, attendez, je vais faire peut-être une ellipse le temps qu'on se rejoigne au Linus, il va sûrement me faire chier avec le Linus. Ouais, à tout de suite. Oh, bah, c'est bon, en fait, il n'y avait pas besoin de choses d'ellipse, mais c'est pas grave. Ça va faire une petite, c'est pas très grave. Alors les options, normalement j'ai tout réglé, les audios et les musiques. L'une des voix j'ai un peu augmenté, que si on entendait pas trop. C'est bien, on voit pas par rapport au sous-titre. Sensibilité de la souris, j'ai un peu augmenté, voilà. Paramètres clavier souris, ça c'est bon. Vidéo, ouais, tout est bon. On peut y aller, je pense, vraiment, partie. Ça, je sais pas c'est quoi, activer protection un peu plus, ça je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, je ferai bien. Et bah allez, c'est parti les gens pour ce nouveau playthrough. Nouvelle partie. Ah quand même très facile, bon on va se mettre en normal de toute façon. L'enfer est proche. Ouais, j'adore l'enfer. Que d'un moi, que d'un. Espace, ok. T'es mort! Du calme les gars! Du calme! Vous le comprenez pas! Les gars, écoutez-moi! Qu'est-ce qu'il dit? Ou encore un coup, Gray. Tu viseras mieux. Pitié! 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 Hé, prends mon flingue! Mais vise pas en plein milieu de la cible. Mon Dieu! Bien. À toi de jouer maintenant. Écoute, plus vite tu répondras à nos questions. Et moi, t'auras de chance qu'on rate notre coup et qu'on t'explose la tête. C'est pigé. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer, ok? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais tout vous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est combien la prime sur nos têtes? 1,5 milliard pour chacun. Ah, quand même. Elle a été doublée après l'attaque du cargo de la Confédération. C'est Sarano lui-même qui l'a fixé. 1,5 milliard. Oh, l'autre, il a honte. Mal. Parle pour toi. Tu fais comme moi. Moi, je vaux le double. Oh. Bien. J'apprécie franchement ton honnêteté. Hé, bordel de merde! Je vous ai tout raconté! Tu le... Ouais, mais t'as aussi voulu nous buter. Être honnête ne te rend pas innocent. Tirez. Ah, pas mal. Oh, affaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Boum! Ah, je sais. Attention, sécurité du SAS désactivée. Hey, c'est le troisième de la semaine. Ah, oh, Sarano a des envies de meurtre, on dirait. Allons attaquer des vaisseaux confédérés pour justifier la prime. C'est marteau, ces mecs. Bon, voilà. On voit un peu déjà l'ambiance. Hein. Ouah, il bouge super vite en contrôle. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Bah voilà, on a commencé. Bon, vous avez vu, hein, le fameux coup de pied que bon, je pense que ceux qui connaissent le jeu savent de quoi on parle. C'est ce que je disais, hein, ça ressemble à le bon jeu de Mad. On verra bien. Hein. Ah, mais t'es une merveilleux. Ah, quand on vise. Ah, ça vise pas comme... Ouais, c'est... De toute façon, c'est pas un FPS pour viser, hein.
c'est du skill hein, qu'on attend, c'est tout ça. Allez, ouvre-moi cette porte, connard. Ah, l'enfoiré. Oh non. Ah quand même, il était pas mort. Certes, faille détectée dans la porte. Certes, faille détectée dans la porte. Vite. Ah, imbécile, chasseur de primes. Ah. Oh putain. Je croyais que tu l'avais fouillé. On confie pas des tâches importantes à un mec bourré. Ça c'est beauty. Oh non bah c'est du cuteux, putain, je vais rien. C'est ce que j'aime le moins dans un tout jeu. Ce que tu touches se casse la gueule aujourd'hui, on dirait. Bah attends. Va te faire foutre. Oh le pauvre écran. Ça me fera de l'air. Il y a un stylé en plus. Maintenant, je sais pourquoi il boitait là. Ah stylé quand tu vas. Ah, les mouvements ils sont vraiment bien faits, hein. Franchement. Pas mal. Pas besoin de te dire je vais baisser. C'est bon. Oh, putain, il je suis pas débile. C'est totalement une découverte pour moi. Je vais jamais jouer. J'en ai profité pendant les soldes de Noël de l'année 2013. Hein. Je l'ai acheté. Hein. C'était une bonne réduction, on va dire. Vous êtes vraiment. Oh, la porte a l'air coincée. Oh. Recule, Doc. Je vais l'ouvrir, moi. J'en ai profité, on va dire. Viser. Ah, si, on peut viser. Ouais. Tire-lui dessus. Bah. Ah, putain. Lequel de vous a eu la bonne idée de laisser une Nova Grenade au chasseur de primes? Ray, on est grillé ici. Je mets les voiles. Très bien. J'arrive tout de suite. Oh, y'a rien à boire dans le coin? Non. Juste un peu de diluant dans la réserve. Je trouve qu'il est bien fait, quand même. Gray, on a un problème. J'ai besoin de vous. Vite. L'urgence, tout ça, ouais. Pour l'instant, c'est bien fait. On va savoir pourquoi. Ils ont mis la barre d'espace pour courir. C'est pas gros, c'est configuré par défaut comme ça. Bon, on verra bien, hein. C'est fait aussi pour glisser, alors, je pense. Ça peut servir. On verra bien. Cette tronche qu'on a complètement sous le. Votre mec. Attention tout le monde, capitaine sur le pont. J'étais en train de suivre la piste des cargos confédérés. J'ai même pas eu le temps de réagir. Qu'il était déjà là. L'Ulysse. Wow. Je vais nous sortir de là. Je vais essayer avec de la matière noire. Attention, on se prépare. Oh, on va nulle part, Richie. Ah, oh, c'est le bijou armé de la Confédération. Le général Sarano est à bord. C'est Noël avant l'heure. Ah, oui. Ce gros tas de merde a fait couler beaucoup, beaucoup de sang. On va lui faire payer l'addition. On est avec toi, Gray. Sarano nous a laissés pour morts. Mais je suis bien non, vivant. T'es bourré. Encore. On n'arrivera même pas à survivre une minute. T'as pété un boulon, Ishii. J'ai fait le serment de te servir, malgré ton inconscience. Mais ça, je vais pas mourir pour que tu te venges, Gray. Pour qu'on se venge. L'Ulysse tente d'entrer en communication avec nous. Armez les canons, ils vont piger le message. Ce bordel. Ça commence bien. Si quelqu'un veut protester, c'est le moment. Personne ? Alors, feu ! Oh ! Allez, Raël, Sarano va regretter de pas avoir triplé la prime. Oh ! D'accord. Wow ! Ouais ! On va se recruter, hein. Ah, font chier avec leurs missiles ! Bousillez leurs canons externes ! T'inquiète, je fais que ça, mec. En même temps, c'est sûr. Waouh, mais pas sous là, c'est pas de bordel. Waouh, c'est là. Je croyais qu'on attaquait le fleuron de la Confédération. Ça se voit qu'il a beaucoup de vie de vaisseau, parce que c'est un gros gros machin. Ça. Il fait très peu de dégâts. Enfin, bordel, mal. Tu peux faire mieux. Fais-moi rêver, Sarano. Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh merde! On reste pas là! Système du vaisseau en état critique. Système du vaisseau en état critique. Ici,
Ok. Bon. On était déjà morts de toute façon. Morts depuis des années. Il me reste encore une chose à faire. C'est de m'assurer qu'on n'ira pas en enfer sans toi, Général. Tu vas venir. Toi et tes sous-fifres, vous allez venir avec nous. Un petit plongeon dans un puits sans fond. Un petit aller simple pour... aller brûler en enfer. Bien. Pas mal d'action quand même, hein. Putain. Quelques années plus tôt. Ah, c'était encore la fin. Oh bah non, ça va pas refaire comme Métro. Oh, on a vu la fin dans le début du jeu. Non, quand même pas, mais... ça me fait penser à ça. Joli la ville. Ces pompes antigravitationnelles me donnent la patate, Doc. Oh, c'est pété. Oh, qu'elle te plaise. Tu n'es pas une source de plaisir. On est des soldats, pas des assassins. Ah ouais. Quoi? Tu te prends pour le chevalier blanc ici? Bah qui tu crois qu'on est? L'unité qui élimine les vilains méchants? Tu me gonfles, Rel. Oh, si on peut même plus rigoler un peu avant le massacre. C'est trop épique ces chaussures. Non, ah oui, on peut pas sauter. Ah, c'est la merde. Ouais, on va continuer un peu. Bon, je vais voir où je vais m'arrêter, hein. Je sais pas trop. Non. What? Mais faut aller par où là? Excusez-moi les gens. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la route quand même? Ah. D'accord. Boum. Ah d'accord. On les appelle pas, tiens. On leur dit non. Qu'on est là, et puis où on va aussi? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va s'écraser, ça va s'écraser. C'est pas normal. Avec tout l'argent Canovac, il devrait y avoir des hommes dans le coin. Ah, c'est ça, t'as raison. On a qu'à annuler la mission, hein. Tout oui, ça bah oui. Parce que notre hippie, le grand gourou Ishii, a un mauvais pressentiment. Ah oui. Infiltré. À nous de jouer. C'est parti. C'est pas ce qu'on fout là, mais... on fout là. Avec moi. 3... 2... Oh. 1... Oh, en pleine tête. Stylé. Sarano veut faire exploser ce terminal. On se dépêche. Il nous reste du temps. Pas de soucis, chef. On est dans les temps. Ah ouais. Hé hey. Putain, Ishii, je t'ai demandé de faire exploser ce truc, pas de relever tes mails. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Bien dit. On regarde quoi, là? Toutes les missions qu'on a faites. On aurait massacré des gens innocents. Novak, c'était un reporter. Il écrivait un article sur Sarano et la corruption. Contacte Sarano tout de suite. Général Sarano, j'ai une... Dérangé pourquoi, bande de cons? Vous êtes sur le lieu de la mission, espèce de sale petit. Fermez votre gueule et répondez-moi. Tous ces gens, vous nous faites tuer des civils innocents? Et pourquoi vous croyez que vous êtes payés depuis tout ce temps, mes chers petits enfants de cœur de mes deux? Vous êtes des criminels, bordel! Oh, des putains d'assassins aux ordres de la Confédération! Vous disiez qu'on tuait des trafiquants d'armes, des marchands d'esclaves, des meurtriers! Hein? Je mentais! Et alors? On vient de tuer qui, là? Novak! Détenez des preuves de votre culpabilité, bande de cons! Vous l'avez tué pour couvrir vos arrières! Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous servez fièrement un général de votre confédération adorée
pour laquelle vous seriez prêt à donner vos misérables vies de petits soldats de merde. Tout ça pour la préserver, faire plaisir à votre commandant et assurer la souveraineté du gouvernement. Alors, soit vous rampez devant moi et vous vous excusez platement, soit je fais de votre vie un enfer. Je vais te tuer. Mais merde, mec, tu fais chier. T'as pris une décision tout seul, alors que ça nous concernait tous. Ok, on retourne au spectre. On saute dans les systèmes parallèles, hors de la juridiction de la Confédération. Je suis pas sûr qu'on puisse quitter cette planète, Grayson. Ça, c'est bon, ça. D'accord, on comprend mieux pourquoi ils ont tué la Serrano juste avant. Ah, bon sang. Hey, t'en fais pas. On va pas te faire de mal. Tout va bien se passer. Ici, surveille là-dessus. Restez en place. On va se battre. Vous tirez les mecs. Sans déconner. Pour l'instant. On va pas manquer encore les bases. Un peu d'animation. Allez, Grey, c'est moi qui les plombe tous. Vas-y, on peut les taper. Parce que j'ai de l'assaut. Ah non, c'est bon, j'arrive. Quoi ? Oh, j'ai plus très cher. Sato, tu es célèbre par chez moi. Je crois que mon heure de gloire est arrivée. Ici. Oh. Ah, cours, petite, jusqu'à l'ascenseur. T'as, c'est n'importe quoi cette histoire, ça devient n'importe quoi. Allez, bouge ton cul, boss. Allez, mange-toi. Ça se présente mal, les gars. Bon, j'arrive. Dépêche-toi, Ishii agonise, il veille respect. Vous avez vu? J'ai vu plusieurs capsules d'évacuation de l'Ulysse s'écraser. Mais c'est pas le problème. Sors-toi la tête du cul, j'ai besoin d'un coup de main. Va voir les gens, on va se laisser là. Évacuation immédiate. Est-ce que ça va... On va continuer la prochaine fois sur l'histoire. Je pense que la prochaine fois, ça sera un peu plus le tuto quand même. Là, on va pas trop encore des phases de... faisant les coups de pied, tout ça. Enfin, le style, hein, surtout comme j'avais dit. C'était basé sur ça. On en a appris pas mal quand même, déjà, dans cette intro. Savoir pourquoi, en fait, le général Serrano, c'était un connard. On voulait le tuer à tout prix, en fait. On sait pourquoi. Il tuait des gens innocents, en fait. Et... qui avaient rien à voir avec des meurtriers ou des... brigands, ils ont été un peu corrompus, on va dire depuis tout ce temps ils essayaient de se venger et c'est un peu arrivé à son terme là, enfin en espérant, on sait pas si encore le général est mort, donc je pense pas. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu pour l'épisode, je sais pas combien de temps il aura duré, je pense que ce sera un petit peu court, parce que là j'ai oublié de mettre le chrono, mais là j'ai pas trop le temps de faire la suite encore, la prochaine fois il sera un peu plus long, sinon là il y aura la fin du tour. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, hein. Bonne ambiance je trouve, bon gameplay pour l'instant. Il est assez joli pour l'époque. J'espère que ça vous plaira. Allez, à la prochaine pour l'épisode 2.